Madame von der Leyen, nous sommes à la fois la première génération à subir les effets du dérèglement climatique, mais aussi la dernière génération à pouvoir y remédier. Il n'y a pas de plan B pour la planète. Regardez le scénario catastrophe partout dans le monde. De l'Amazonie au Groenland, de l'Australie à la Méditerranée. Désormais, la nature ne s'accommode pas de petits pas. Elle réagit à grande enjambée. Aujourd'hui, nous devons limiter la casse due à l'inaction des gouvernements successifs. Je rappelle les premières victimes, les pauvres, les plus précaires. Donc à la justice climatique, il faut répondre avec la justice aussi sociale. Madame von der Leyen, je ne vous demande une chose. N'attendez pas la révolution verte. Faites-la. La baisse des émissions d'ici 2030, c'est moins 65% en application et en accord avec notamment la COP21. L'aviation, allons-y, faites rentrer dans la transition écologique, notamment l'aviation ainsi que le maritime, relancez le fret, Madame von der Leyen. Alors, pour vous dire, la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi. Mais nous avons un moment historique. Un moment inédit dans l'histoire de l'humanité. Les fenêtres d'opportunité se rétrécissent très vite. Alors, donnons-nous les moyens de remporter la victoire du climat. Faisons tous ensemble que l'Europe devienne le leader du climat. Vous avez dit le compte à rebours est lancé, mais il est déjà là ce compte à rebours. Je vous remercie.